bien, salut tout le monde, c'est ML2G et son frère. Salut tout le monde. On va réitérer l'exploit de Link to the Past, c'est-à-dire faire le même jeu en duo mais sur deux formats différents. Donc, mon frère restera sur la version Game Boy Advance et moi sur la version Super Nintendo. Donc, moi je vais sélectionner mon fichier A. Donc, toi vas-y, tu prends ton single player, tu prends ton fichier. Parce que la version GBA possède deux jeux donc. Voilà, alors. Au top, on est parti. Es-tu prêt ? Prêt. Alors top. Donc le long de cette vidéo, on va voir un petit peu les différences qu'on a entre les deux jeux. Bah déjà là on la voit, c'est que le mien il est en français. Ouais, déjà oui, le tir est en français. Malgré que moi ma version est une française, les dialogues sont restés en anglais. Ok, let's go. Donc c'est pas un speedrun, hein. On fait ce qu'on veut. Bon, c'est sûr que... c'est mieux de terminer premier sur la petite course qu'on se fait entre nous, mais sinon on va essayer de faire le jeu correctement. Quand même. Évidemment, on prévoit pas de le faire à 100% parce que c'est vraiment juste pour faire un style de vidéo différent. Okay. Donc déjà, toi, il me semble que dans ta version, Mario crie. Ouais, il parle un peu. Ouais. C'est un peu comme la version de Link to the Past. Exact. Moi j'ai toujours les petits sauts, les plus. Ah mais il fait aussi ses petits bruits. Hein. Ah puis il crie en même temps. Il crie quand il prend un power up et il crie pas quand il saute. Hein. Ah. Mais quand il prend un power up il crie, quand il se fait toucher il crie. Les premiers niveaux sont quand même assez simples. Ils sont simples, mais je trouve le moyen de me faire tuer. Moi. T'as perdu déjà une vie ? Ouais. Tu rigoles ? Mais lamentablement en plus. Bon, c'est pas grave, ça arrive. Faut dire aussi que toi, ton écran est en 16/9, enfin, pseudo 16/9. Donc tu vois pas tout le jeu, alors que moi je vois tout le jeu. Ouais, non, mais là j'ai vraiment perdu comme une merde. Ah ! C'est pas grave, ça arrive. Ça arrive. Je suis trop confiant. Je vais essayer de faire un P jump. Ah, raté. C'est pas grave. Ouais, parce que j'ai pris le syndrome de KSM. Essayer de faire plein de glitch, plein de codes de triche. Ouais, c'est con, je les connais pas. J'aurais bien essayé dans la version GBA s'il est possible de le faire. Ah, je pourrais toujours te dire qu'est-ce qu'il faut faire. Par exemple, moi j'ai essayé de faire le P jump. Le P jump, c'est de jeter le P en l'air. Et de re-sauter dessus. Mais en l'activant donc. Et le but c'est de balancer le P en l'air, de sauter en dessous, et de rappuyer sur le bouton sauter au moment où tu arrives au même niveau que le P. Ce qui fait que tu vas taper le P et sauter encore au-dessus. Donc c'est un double saut. D'accord. Tu vois le truc ? Je vois le truc. Enfin, ce qui m'intéresse moi c'est de faire bugger les power-up. Faire bugger les power-up, faut que tu prennes un P, une clé ou une carapace. Ouais, ouais. Que tu te mettes sur le côté du bloc. Que tu sautes en même temps. Et que tu balances la carapace en l'air. Mais qu'il faut vraiment que tu sois à côté. Faut que la carapace elle touche le bloc. Ou qu'elle soit un peu en dessous, un peu au-dessus. Non, il faut que ce soit à peu près au milieu. D'accord. J'essaierai ça à l'occasion. Ça m'intéresse ce truc. Oh bah je vais te montrer comment on fait. Mais je te montrerai en off quand on aura terminé la première vidéo. D'ailleurs on va rester sur un format de 20 minutes. Oh, ça ne te dérange pas. Non du tout. C'est que moi à 20 minutes, je termine le niveau que je vais faire. Ensuite j'irai top et puis toi tu termineras le niveau. Enfin c'est toi qui vois au moment où tu dis top. Bah je vais dire top je pense au moment où j'arriverai à ton niveau quoi. Pour pas être trop en retard à la prochaine partie. Yes. Ok, moi j'essaie d'avoir toutes les pièces. Je sais pas si toi. Je voulais essayer, mais comme je suis mort au premier niveau et j'avais pris le checkpoint, je me suis dit. Ah bah c'est mort. Effectivement. Mais tu vas prendre toutes les pièces de tous les niveaux ou juste. Je vais essayer. Si jamais j'en loupe une et que je peux pas la récupérer parce que pour X raison, bah tant pis. Bon, moi je le ferai pas. Moi je fais les premiers niveaux histoire d'avoir des vies. Bon, là je vais montrer un petit bug aux gens. Le bug du P. Où tu craches des poissons en même temps. Ah, j'en ai craché qu'un. C'est pas grave.
Allez, saute. Saute. C'est pas grave, je vais essayer de faire un 50. Ah, allez, 40. 50. 40 ouais. Bon. Dommage. Je tiens aussi à préciser que c'est la troisième fois qu'on tourne pour ouais. faire cette aventure à deux. La première fois, j'avais on a laissé tomber parce que tu étais trop vulgaire. Ah oui, c'est vrai que j'étais vulgaire. T'étais méga vulgaire, c'était genre... je vais pas le dire parce que de toute façon je vais biper. Hein, j'insultais la maman de Mario. Voilà, et tu l'insultais bien comme il faut. Ouais. La pauvre. La pauvre. Et la deuxième, c'est un problème d'enregistrement Camtasia. Et ça, je pense que ça m'a dégoûté à vie, c'est pour ça que j'ai voulu qu'on recommence. Parce que dans l'épisode qu'on a tourné à deux, il y avait un total de 3,50. Donc mon frère en avait fait deux, et moi j'en avais fait un. Dans cette vidéo qu'on a enregistrée. Eh oui. Et ça m'a bien foutu les boules. Bien comme il faut, je le confirme. De toute façon, j'ai gardé la partie où je fais un 50. Je pense que je vous le mettrai à la fin de cette vidéo. En bonus. Genre à la fin, on m'entend gueuler comme un gros porc. Parce que j'ai fait mon 50. Yeah. Et en fait, on m'a expliqué c'était quoi cette histoire de blocs verts là-haut. Et des blocs verts avec des étoiles. Si arrivé un certain nombre de pièces, on a une vie, c'est ça? C'est ce qu'on m'a dit. Et moi, on m'a dit autre chose. Ah. On m'a dit si tu récupères 30 pièces dans le niveau, tu peux avoir une vie. Ouais. Mais c'est-à-dire, c'est pas au niveau du compteur de pièces, c'est vraiment au niveau des pièces que tu récupères dans le niveau même. Oui. Moi, on m'avait dit c'était quand t'avais au-dessus de 50 pièces dans le compteur, tu pouvais récupérer une vie. Ah, d'accord. De toute façon, tu m'as dit que c'était expliqué dans la version Game Boy Advance, non? Oh, ouais, c'est expliqué dans les blogs, du coup. Moi aussi, c'était peut-être expliqué, sauf que vu que c'est en anglais, ouais, un peu chiant. Allez, prends l'étoile, là. Bon, pour l'instant, moi, les vies, j'en fais plein. Moi, pas tant que ça. J'en ai pas mal quand même. Yeah. Allez. Allez, on fait un 50 là. Là, y'a pas de raison. Oh, 40. Bah, décidément. T'inquiète, tu vas y arriver. Ah, bah, à force de faire les 40, oui, je vais y arriver. C'est obligé. Bonus game. Oh, yeah. Alors là, attention. Ok, c'est foiré. Je peux avoir que des fleurs, ce serait bien. Allez, tape là, tant pis, vas-y, je tape comme un fou. Pire. Ok. Bon, je suis déjà à 21 vies et j'arrive au château. Moi, je suis à 15 vies et je suis là. Je suis au château. Reprends ton souffle. Ouais. Ah, t'as déjà commencé le château, toi? Ah, ouais. D'accord, toi tu traînes pas toi. Ah merde, moi je me fais niquer. C'est pas bien parce que c'est parce que j'ai évité le bonus game, je l'ai pas eu. Ah, c'est pour ça. Eh oui. Allez, pay jump, m'en fous. Ah, je peux pas ici. Attends, je vais essayer là. Ah, raté. Bon, c'est pas grave. Mais non. Je sais pas si dans la version de la Super Nintendo il y a des pièces dans les châteaux. Non, il y a pas de pièces Yoshi dans les châteaux. Bah, sur la GBA il y en a. Bon, t'as dit que t'as perdu lamentablement au premier niveau? Ouais. J'ai perdu lamentablement au château. Mais quand je dis lamentablement, c'est lamentablement, genre je suis tombé, c'est limite je me suis jeté dans la lave quoi. D'accord. Bah moi je me suis jeté sur un ennemi en fait. Ah ouais, bon, c'est pas mieux non. Putain, je me suis... Je fais le con en plus hein. Je m'amuse et hein, ça va pas aller ça. C'est ça qui est bien, c'est détente. C'est rigolade. C'est totalement détente. Déconnade. Et tu sais, dans le château, après le checkpoint, il y a des rondins de bois qui tombent. Ouais. Il y a très longtemps, je croyais que c'était des crêpes. C'est pas mieux, moi je croyais que c'était des pieds d'éléphant. Alors tu vois, je vais te dire. Hein. Tombe-toi, enfoiré. Ah ouais, moi aussi, un avantage sur GBA, comme c'est un peu cheaté,
Quand je me fais toucher. Putain, il va pas tomber ce bâtard, je vais crever quoi, sans deck. Je vais me faire tuer quoi. Mais non. Allez. Ouais, j'avais un frisk. Non, pardon, une fleur dans. Sur Mario, et quand je me suis fait toucher, bah. Voilà. Et quand tu t'es fait toucher, t'es resté grand. Ouais, je suis resté grand. Voilà, bah moi c'est pas pareil, moi je redeviens tout petit. Donc c'est pour dire que le jeu a été entre guillemets casualisé. Et oui. Donc il est devenu beaucoup plus facile avec le temps. Et moi mes œufs sont en couleur. Ah ouais. Le tien il est jaune, le mien il est rouge. Moi le mien il est doré. Ouais, il est doré. Il est pas jaune, il est doré. Autant pour moi. Donut Plane, save. Beignet Land, bah ouais, Donut. Ok, c'est là qu'on va avoir le manteau. Ah ouais, par contre, un truc bien con, c'est qu'ils ont traduit tout le jeu, sauf l'œuf, il me dit thank you. Ah, ça c'est un peu con ça. Ouais. Ils auraient pu mettre merci quoi. Bah ouais. C'était pas difficile à faire en plus, même moi je peux le faire. Je peux même marquer fuck you si je veux. Il y a un hack où justement il y a l'œuf de Yoshi qui dit ça. Hein. Ah bon? Il dit fuck you. Bah ça fait plaisir. Ouais. Bah c'était quand j'étais chez les parents l'autre jour là. Ah mon Yoshi, reviens. Je disais quand j'étais chez les parents l'autre jour, j'ai téléchargé un hack sur le PC de ma sœur, de ta sœur aussi. Et oui. Je dis ma sœur pour pas dire son prénom, n'est-ce pas? Elle se reconnaîtra bien sûr. Parce que de toute façon on en a qu'une sœur. Et oui. Bon, au lieu de dire des conneries, je vais peut-être monter là-haut moi. Et donc je disais sur le hack, bah Mario il faisait des doigts d'honneur. Ouais, carrément. Ouais. Ici dans notre Mario là, Mario il fait le signe de la main avec deux, tu vois. Genre ouais. Cool. Bah dans le hack que j'ai eu, bah il faisait des doigts d'honneur. Aucun respect pour le joueur. Bon, il y a un truc que j'avais montré dans la première vidéo, enfin dans la deuxième truc qu'on a fait, c'est cette pièce là. Et c'est un compteur. Un compteur de pièces. Un compteur de pièces. Ah oui, c'est vrai. Ici. Enfin des compteurs plutôt. Enfin, je sais pas comment on peut dire ça, mais. Il y a 600 pièces à récupérer quoi. Ouais, quand on les a, je sais pas ce qu'on a parce que j'ai jamais fait et puis j'ai vraiment pas envie de le faire. Non, moi je suis même pas passé par là, tu vois, j'aurais pu. Ouais, je suis passé par là, c'est uniquement pour montrer ça quoi, mais c'est tout. Ah ouais, je m'en fous. Une petite grotte. Là, c'est la musique préférée de KSM. Avec le Yoshi, dans non? La caverne et la musique qui galope. D'ailleurs, monsieur Katsumari, si tu passes par là, je veux que tu fasses le coucou. Hein. Je veux que tu dises que tu as vu cet épisode. Ouais, quand même. Parce que mon frère ici présent est un grand fan de toi, tu sais. Et ouais. Il a vu toutes tes vidéos. Et je pense que c'est grâce à toi, monsieur KSM, que maintenant il s'est remis à jouer au jeu. Exactement. En plus, c'est vrai. ça donne envie de jouer. Hein. Ouais, grave. Bah, c'est pour ça que je me suis acheté sur Game Boy Advance. Voilà. Tu te l'as acheté, mais il faut quand même préciser qu'on joue sur émulateur, on joue pas sur console. Ah oui, bah de toute façon, pour. Je sais pas si c'est possible de. Si, c'est possible de prendre les images de la Game Boy Advance avec le Game Boy Player sur GameCube. Ah oui, c'est vrai. Mais disons que c'est plus pratique pour nous, pour filmer. Voilà, on n'a pas besoin de faire toute une installation de câble ou quoi. On a juste à lancer l'émulateur, Camtasia, hop, et c'est réglé. Ok, alors là, je vais essayer de faire une vie tranquille. Eh merde, mon Yoshi. Bah du coup, il n'y a plus la petite musique qui galope. Oh merde, c'est cool. Yes, et une vie. Merde. Putain. Oh. Sandwich. Ah, sandwich. Ça pique. Ça pique, ouais. Je te le demande, est-ce que tu aimerais voir aussi un compteur de vie en plus du compteur de temps que je mets? De vie perdue, pardon. Bon, écoute, ouais, pourquoi pas. Bah, je vais mettre un compteur de vie perdue. Parce que là, pour le moment, je dis ça, je fais ci, je fais ça. Mais le montage n'est pas du tout encore prévu. J'ai juste fait la mise en page. Je sais comment je vais la faire. Mais rien n'est fait encore. Donc je dis ce qu'il y aura sur le montage. Mais ça se trouve, il y aura plus de choses. Hein. On ne sait pas. On verra.
Bon, en tout cas, je vais mettre un compteur de vie perdu. En plus du compteur du temps. Ça va chier pour moi, les vies perdues. Oh, mais non, faut pas dire ça. Tu sais, les erreurs, ça arrive vite. Hein. J'en ai déjà perdu une vie. J'en ai perdu deux, moi. C'est une fois comme une merde et une autre fois, bah, en sandwich comme une merde aussi. En fait, hein. Putain, j'allais en perdre une. Vas-y, tant pis pour le manteau. On va faire la sortie normale. Bah. La plume. La merde, la plume. Ah. Tu dis un frisque, tu dis un manteau, faut arrêter de regarder KSM. Et quand tu vas récupérer un champi, tu vas dire que c'est une pomme. Voilà. Oh yeah. Ok, bon. Faut bien avouer que ce premier épisode, on avance quand même assez vite les niveaux parce qu'on les connaît par cœur. Ah oui. Faut bien souligner encore une fois que ça fait trois fois qu'on commence. Donc forcément, les premiers niveaux, on les connaît bien. Étant donné que c'est le premier jeu que j'ai eu quand j'étais jeune et que je l'ai terminé au bas mot une vingtaine de fois. Moi, la première fois que j'ai terminé, c'est il n'y a pas si longtemps que ça, c'est au Game Boy Advance. Ah oui, c'est vrai, tu me l'as dit en plus. Ouais. Attends les pièces, hop là, il y en a une ici. Je sais pas s'il y a les bugs de collision dans ce... Ah, je sais pas si ça a été corrigé, ça. Faudra voir. Le gros Mario. Ah merde, c'est une fleur. Ok. Faut pas que je me loupe là, putain. Ok, c'est bon. Donc, normalement, vers le haut, on a des vies et des pièces Yoshi. Voilà. Et d'ailleurs, dans le niveau que je suis en train de faire, c'est le niveau aquatique de la sortie secrète du premier niveau de Donut Land, de Beignet Land, comme tu veux. Et bien, dans ce niveau, il y a plus de 5 pièces Yoshi. Il y en a 7. Ah bon ? Ouais. Il y en a 2 dans cette grotte. Et dans la map en elle-même, la flotte, il y en a 5. Regardez si à droite... À gauche, pardon, je l'ai zappé. Non, c'est bon. J'ai été surpris parce que ça, je l'ai su il y a pas longtemps en plus. Hein. Ouais. Mais ce qui est excellent avec ce genre de jeu, c'est que t'as beau les terminer, t'en apprends encore dessus. Par exemple, grâce à KSM, j'ai appris tellement de choses sur les bugs et tout. Ah ouais, ça. Bon, là, j'ai récupéré les 5 pièces. Vous allez voir, je vais en récupérer 2 autres. Le P, je vais pas le prendre, c'est pour la sortie secrète. Je le ferai plus tard. Voilà, là il y a une autre pièce. Hop. Et la dernière pièce, elle est cachée. Elle est cachée là. Voilà. Ça, c'est fait. Allez, un petit 50 dans l'eau là. Ouais, c'est bon, le time, tu te calmes. 40. Là, je fais que des 40. Moi, j'en ai fait qu'un 40. Je voulais faire un 50, hein, forcément. Je l'ai pas. Prends-le. Allez, bonus game. Bah, perds-le alors. Tais-toi. Hein ? Tais-toi. Pourquoi ? Tu me dis perds-le, non ? Mais non, je parlais pas de toi, je parlais de mon Yoshi. Ah merde. J'étais en train de dire bonus game et j'ai cru entendre perle. Ah non. Ok. Bon. Petit niveau aquatique maintenant. Moi je vais dire stop. Donc ah putain, on est déjà à 20 minutes. Ouais, donc je te laisse faire ton niveau aquatique tranquille. C'est le niveau que je viens de faire. Putain, il y avait un frisque là-bas. Ah, mais... Ouais. Enfin. C'est pas un VIP, hein. Non. Mais tu sais qu'il y a moyen de... Je pense que je vais peut-être le faire, ça. Modifier Super Mario World, mettre Boon à la place. Et modifier les power-up. Genre reprendre tous les sprites qu'il y a dans le VIP. Et faire un Super Mario World spécial VIP. Ce serait sympa, je trouve. Ouais. Il faudrait que je prenne le temps de le faire. Déjà que j'ai pas le temps de faire mon hack. On va faire le temps de faire ça. Laisse tomber. Bon, les pièces, hein, je les prends plus. Hein, ça y est, j'ai laissé tomber l'affaire. Toi, je vois que t'as un checkpoint ici dans ce niveau. Moi, j'avais pas de checkpoint. Donc, encore une fois, on voit bien que ça a été. Et t'as les checkpoints dans les châteaux ? Non. Dans le premier, oui, il y en a un. Ouais. Généralement, il y en a. Ouais, généralement, il y en a en plus. Hein, ça. On se souvient plus, tiens, tu vois. Je vais me faire voir. Mais non. Voilà.
Voilà. Yep. Le petit chemin. Et je dis top. Ok. Ouais, bah écoutez, les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je pense que ce sera pas un WT super long parce que bon, le jeu à la base est quand même super court. Mais en tout cas, j'espère qu'on va bien vous divertir. Donc sur ce. J'espère aussi. Hein ? J'espère aussi. Ah. Donc sur ce, je vous dis à bientôt, voilà, c'est ça. Allez, ciao. Salut tout le monde.